Thank you.
Ah. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Ah. Ok, ça a l'air de fonctionner, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors attendez, en fait, j'ai un retour micro qui fonctionne, et là, j'ai dû switcher pour pouvoir et recréer le truc. Qu'est-ce qui se passe? Propriété. Bah, il est bon là. Est-ce que c'est nouveau là? Ça s'est bloqué maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors attention, je vais essayer de recouper et on va voir ce que ça donne. Ok? En fait, il y a un truc, on dirait que OBS, il a pas capté le micro depuis le début. Trop bizarre. Et pourtant, ça marchait bien sur le retour de. Ah, trop bizarre. Voilà, bon, attendez. Parce que du coup, ça fonctionne pas. Et là, ça fonctionne normalement. Je vais checker le retour. Mais du coup, ça veut dire que depuis tout à l'heure, je m'entends. Personne m'entend? Eh bien, merci Delijabi. Hein. Ouais, on avait peut-être checké du coup le truc, c'est qu'on là, on a du coup, depuis tout à l'heure, vous avez le son du jeu, mais vous n'avez pas ma voix. Et je sais pas pourquoi en fait, c'est trop bizarre. Et voilà. Il suffisait juste que ce soit le moment où il n'y a pas de modo. Il n'y a pas de modo. Voilà, ça fait juste 1 heure, donc c'est bien. Eh bah écoutez, voilà. Moi j'étais très content de faire ce petit passage chanson. Donc je vais vous montrer peut-être que. Je vais vous réexpliquer ce qu'on a vu. Ce passage-là, je disais que c'était des pitchs à chaos. Donc c'est des références au graffiti. Au graffiti brésilien. On a vu aussi pas mal d'autres trucs. On a vu tous les trucs. Alors ce qui est marrant, c'est que Stream Closed Captioner a tout capté. Et c'est juste OBS qui m'a fait chier. Donc nique OBS, nique OBS. Et du coup, on va regarder vite fait si. Voilà. Ça, c'est bien. Et du coup, En fait, ce serait bien de recommencer du coup. Mais j'ai la flemme. En fait, ce serait bien de récupérer tous les petits trucs. Parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Mais je pense que vous n'avez pas dû entendre. Récupérer tous les petits trucs qui sont les photos. Et en fait, les photos permettent justement d'avoir les petits rapports d'histoire. Je pense qu'on va les faire. C'est bon, celui-là, il est bon. Ok. Et le bonus, c'est... Oui, c'est bon, j'ai pris. Là, il n'y avait pas de photos, par exemple. On va faire un petit speedrun. Comme ça permettra à tous ceux qui ont... Vu le début ou pas le début, de pouvoir justement avoir les histoires aussi parce qu'ils nous en manquent de toute façon, et en fait, c'est un peu dommage. Donc là, on refait tous les graffitis qu'on a fait au début avec Paris. Ah, je suis dégoûté qu'il n'y ait pas eu de son, ça me fatigue! Mais c'est bien, j'ai pas du tout saturé le son maintenant. Voilà, donc c'était ça que je cherchais maintenant. On va chercher du coup tous les trucs. Ouh là là, ça va m'énerver. En plus, on commence avec Street Art. Graver son nom, une date, un visage, c'est un toc de môme. Un toc de môme. Alors, merci pour l'infantilisation. L'homme a toujours laissé son empreinte sur les parois de l'histoire. Ça, je suis archi d'accord. Donc, c'est pas du graffiti.
pour nous dire une seule chose, j'étais là. Vous cherchez des preuves. Allez jeter un coup d'œil aux côtés des grottes de Lascaux, en Égypte avec ses pyramides criblées de hiéroglyphes, à Pompéi, où les habitants inscrivaient sur les murs aussi bien des petites annonces qu'une liste de courses. Exactement. Ça s'appelle des graffitos. Rebaladez-vous sur la place des Vosges, où le plus vieux graffiti encore visible à Paris a été gravé à coups de clé par l'écrivain Restif, que j'avais du coup parlé à un moment, je crois, et qui s'appelle donc Restif de la Bretonne. Alors, c'est un des plus vieux de Paris, façon de parler. Hein. Attendez, je vais essayer de bien placer. Caméra. Caméra 1. Restif de la Bretonne. Qui justement a. Alors, moi j'ai noté des trucs. Hein, Elvis et Confid. Alors, il graffite. Et lui, il faisait des graffitis en latin. Restif de la Bretonne. En 1764, mis à bout, tous ces indices laissent au flanc de ville forme un seul. Un puzzle géant, une seule pièce manque à l'appel, la vôtre. Donc voilà. Street art. Ils ont appelé ça street art. C'est du graffiti, garçon. Et arrêtez, s'il vous plaît, de préciser la différence. Enfin, il y a une différence quand même. Il y a une différence. Voilà. C'est ce qui est plus accepté institutionnellement, qui s'appelle du street art, et ce qui n'est pas forcément accepté institutionnellement. Le graffiti, donc par exemple le tag, c'est ça a pris énormément de temps pour arriver et le peu qui est arrivé, c'est pas les plus connus non plus. C'est toujours été des galeries qui étaient privées, personnelles. Je pense par exemple. Aux différentes galeries qu'il y a par exemple sur Paris, il y a eu Agnès B, Magda Danis et compagnie. Par exemple, pour ces dernières années, qui continuent à en montrer, et du graffiti. Pas que du street art. Et même encore, ça dépend. Parce que le street art, c'est un terme qui est utilisé depuis très peu de temps au final. On va peut-être le déclencher. On va le déclencher. Voilà. Déclenche-toi. On va se cacher après. Allez, va là-bas. Ah tiens, il y a Rimbaud là. On va récupérer. Oh mince. Je sais plus comment j'ai fait ça. Pourquoi on fait un speedrun? Ah oui, c'est pour l'histoire. Donc on va prendre l'histoire. Donc Ernest Pignon Ernest, donc qui est un Français, qui fait des affiches. Ce qu'on pourrait appeler affichiste. Tout au long de sa carrière, il a su frapper fort, vite, en quantité faisant de l'identité d'un lieu, une source d'inspiration pour ses dessins dignes du Caravage. EPE, donc Ernest Pignon Ernest, pour les intimes, c'est le paternel de l'art urbain. Alors, c'est bien d'utiliser le terme art urbain, du coup. En 1966, il bricole ses premiers pochoirs à l'aide de cartons rafistolés, bientôt rejoints par des bataillons de collage qu'il appose à Paris, Naples ou Ramallah. Face aux silhouettes grandeur nature de SDF collées dans des cabines téléphoniques ou des victimes de la commune de Paris marouflées sur les marches du Sacré-Cœur, en 1971, on affronte à hauteur d'homme la part sombre de notre société. Pour ce redresseur de tort, avec des affiches, les murs fissurés sont des porteurs d'une mémoire blessée et son peuple de papier, des combattants contre l'oubli. Bon. C'est cool. On va se mettre là. On va le. Comment on pourrait le trigger pour qu'il arrête de nous embêter? Est-ce que je peux faire un truc comme ça, genre? Je sais pas par où il va apparaître. Peut-être qu'il va apparaître de notre côté, mais c'est pas grave, de toute façon ça change pas grand chose. Ah, tu viens? Allez, 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 non, oui. Donc c'était, là on s'embête pas on récupère juste l'histoire. Donc l'affiche sauvage. Peut-être qu'il fallait expliquer ça avant Ernest Pignon Ernest, hein, je dis ça, je dis rien. En 1968, près de Paris, l'université de Nanterre devient le QG des étudiants gauchistes et le théâtre, alors gauchiste. Les étudiants de gauche. Et le théâtre d'affrontement avec les forces de police, la jeunesse s'insurge contre les idées périmées du général de Gaulle.
si elles ont un jour été neuves, cette France à papa est autoritaire. L'heure est à la révolution sociale. Ça a toujours été le cas, hein, je te rassure. Dans l'atelier de l'école des Beaux-Arts, réquisitionné par les élèves, les machines à sérigraphie tournent à plein régime pour sortir jusqu'à 3000 affiches par jour, placardées sur les murs de la capitale. Elles scandent des slogans libertaires, anti-flics, CRS et prolétaires. 3000 affiches par jour, c'est pas tant que ça en fait. Avec des formes simples et des symboles expressifs, c'est tout un graphisme coup de poing que porte la génération de la révolte. C'est pas tant que ça, mais en même temps, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire que vous travaillez à plusieurs, en 24 heures, vous pouvez en faire pas mal quand même. On va les envoyer où? On va les envoyer derrière la palissade. Hein. Ah, ça me dégoûte l'histoire du son. Ah là là, heureusement que des hijabs elle était là. Dame! Allez, partez! Du vent, les keufs! On veut pas de vous. Je vais me faire avoir, non? Allez, je crois. Oula, oula. Cassez-vous de là. Wow, après, on peut faire le graffiti et se barrer. Hein. C'est pas grave de récupérer les étoiles ici. Bon, on va aller chercher. On va se mettre là. En fait, il y a tout l'histoire de un temps en avant, c'est chiant. De fou. Ah, mais non! Le double clic là. J'aurais peut-être dû attendre. C'est pas grave. On va y arriver. On n'y arrive pas du tout. Pars. Si tu veux venir, viens. Si j'avance, il me crame, on est d'accord. Mais... L'enfer. En fait, je vais faire le graffiti et on se barre. On se barre, on l'a déjà fait ça. Mais non! Pourquoi j'essaye de forcer le truc là? Partez! En fait, le truc, c'est que si je le fais maintenant, ça m'avance à pas grand-chose. Alors que là, si je le fais maintenant... En fait, faut que je les trigger. Ah, ça m'énerve, cette histoire de capture d'audio, là. Je l'ai toujours en tête, c'est chiant. C'est chiant, chiant, chiant. Allez, partez, les gens. Voilà. Je sais pas où on peut voir les passages d'histoire, mais au moins on les récupère, c'est déjà ça. Je crois que c'était en haut là. Putain, c'est loin. Pardon, je dis des gros mots en plus. Voilà. Blec le rat. Donc là, c'est que la France. Hein. Quand on est à Paris, c'est la France, et quand on est à New York, c'est New York. En 1971, Xavier Prou débarque à New York quand il découvre les saillies de premiers writers, donc les graffeurs. Donc des écrivains, comme je disais tout à l'heure. Le choc lui fait l'effet d'un hyperculte. Ses écritures sauvages et incompréhensibles le hantent jusqu'en 1980, lorsqu'il décide d'employer une vieille technique, le pochoir, pour se tailler un nom dans l'anonymat. Ernest Pignon-Hernet, je crois qu'il en utilise dans ses affiches aussi. Des villes. Blake le rat. Sous l'influence du maître de l'ombre, Richard Humbleton, alors je sais pas pourquoi ils ont mis RIP, mais j'imagine qu'il est mort,
L'artiste antimilitariste pulvérise sur les murs des silhouettes noires, notamment des soldats et des hordes de rongeurs. Sa fascination pour le prince des égouts vient d'une étrange légende urbaine. Elle raconte que l'animal serait tellement malin qu'il est capable de prendre le dernier métro pour éviter de rentrer à pattes. Ou tout simplement que c'est une figure très connue de Paris, les rats de la peste. Ah ouais, je sais plus comment se n'est débrouillé ici. Mais on va faire ça, hein. De toute façon, on va faire le graffiti et nous, on s'en fiche d'eux, en fait. Nous, on voulait l'histoire. Là, on veut plus de voilà. Tu vois, on n'a plus besoin de quoi que ce soit de plus. On se barre. C'est pas grave, on le fait d'une autre manière, mais c'est pas trop un problème. Si on fait pas des parfaits, c'est pas grave. Alors. La bombe de peinture. Si vous deviez retenir un seul outil emblématique du street art, la bombe à aérosol qui a permis au graffiti de se répandre comme une traînée de poudre. En 1926, alors que le chimiste norvégien Erik Rotheim élabore cette bonbonne capable de propulser de la peinture liquide, il n'imagine pas qu'elle deviendra le calam de tous les writers. Son invention a été perfectionnée durant la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est qu'à partir des années 1960 qu'elle se démocratise. Les graffeurs vont alors détourner son usage, d'abord avec la Krylon, donc c'est une marque, et on va pas citer toutes les marques. Le vrai tournant se situe en 1994, lorsque l'entreprise espagnole... Voilà. Alors, Montana, ce qui est bien, c'est qu'ils essayent quand même d'aller du côté un peu écolo, quoi. Parce que c'est pas très écologique, hein, comme histoire. Ah oui, donc tu te réveilles même pas, en fait. Tu t'en fiches, en fait, toi. Ah, t'es un mec comme ça, en fait. Du coup, on va faire ça. Et tu viens par là où tu veux. Mystique, on l'avait déjà récupéré, je crois. Je sais pas à quel niveau on est là. De toute façon, on va juste faire le graffiti. Et après, on part. Et après, on part. Maintenant que vous m'entendez, j'espère qu'au moins vous entendez la musique aussi. Et que la musique n'est pas trop. En trop, quoi. Il est défoncé celui-là. Hein. Il y a un gros problème de. Il y a un gros problème de. On l'a fait 15 fois. Pas grave. On continue. Aïe aïe aïe. Bon, on va s'arrêter d'ici 6 minutes. Hein. Je tiens à préciser parce qu'on va rester quand même dans les cordes et j'ai envie de jouer à Going Under parce que j'ai envie de me défouler. Et Going Under, du coup, je vais vous montrer ce que c'est parce que ça va vous intéresser, je pense. Allez, partez là-bas. Lui, il faut qu'il parte loin, en fait. Ça, c'est toi, si tu restes là, ça me va pas, en fait. Voilà. Là, c'est bon. J'ai pas vérifié s'il y avait des histoires. Attends, faut que je regarde. Y a une histoire, ici? Y a pas d'histoire. Y a plein d'histoires à raconter sur Paris. Y a Orphée, y a tous les graffeurs de la banlieue. S'il vous plaît, respectez-nous. Respectez les gens. Parce que là, ouvrir un bouquin où il y a des photos de gens... J'étais sûr qu'on allait tomber sur lui. Mais en fait, il est partout. Envahir la capitale française en collant son nom et sa photo d'identité, est-ce l'art ou une vaste blague? C'est les deux, là. Depuis 2001, John Hammond s'investit corps et âme dans une féroce campagne d'affichage dédiée à sa propre bobine. Plus que l'œuvre, c'est l'autopromotion qui fait l'artiste selon ce colère. Si sa démarche reçoit quelques critiques, on doit reconnaître que non seulement il n'y a pas tout à fait tort, mais qu'il fait preuve d'une certaine clairvoyance sur la révolution selfie. Ah. Donc en fait, on fait un lien quand même critique derrière. Épidémie narcissique qui frappe tout le globe, y compris les artistes. Le collage XXL de l'artiste JR surfe d'ailleurs allègrement sur sa tendance. Quoi? Attendez. Attendez, on va mettre une pause. Je vais vous montrer ce que fait JR. Hein, parce que moi, de ce que je connais, JR, même si j'ai plus de mal maintenant, de ce que je connais, JR, ce qui est bien, c'est que... Alors, il a commencé à être connu à Clichy, après les révoltes. Alors, donc, du coup, il y avait toute une... plein de photos, où, en fait, étrangement,
On voit pas la tête à JR, et celle-ci, c'est la plus connue. C'était une des plus connues au début, et ça reste toujours la plus connue. C'est celle de Ladjili, qui est réalisateur du coup de. Je vais vous montrer. Des Misérables. JR et Ladjili ont fait partie, et font, je pense qu'ils font toujours. Alors j'ai mis un J hein, quand même. Donc voilà, regardez, c'est même dans sa fiche Wikipédia, Ladjili, il y a 28 mm, donc. Portrait d'une génération, 2004. Et du coup, il est surtout connu pour ça, et ils ont tous les deux fait partie d'un collectif qui s'appelle Courtrajmé. Donc, s'il vous plaît. Donc, reconnu et connu hein, pour plein de choses. Je vous laisse regarder tout ce qu'ils ont fait. Entre autres, des clips aussi, et des films, hein, je tiens à préciser. Donc, Les Misérables, par exemple, comme pour un Ledgely. Et étrangement, la plupart des photos de JR ne sont pas de lui. Par contre, il y a un seul truc. Enfin, c'est pas de sa photo à lui. Par contre, il y a un truc où on peut être d'accord sur ça. C'est ce qu'il a fait au Centre Pompidou avec avec sa machine qui fait des autoportraits. Parce qu'il y a ça aussi après, où justement, en fait, les gens se prennent en photo. Et après, il prend en photo. Alors, ça vient d'un travail qu'il a commencé en prenant en photo des gens partout où il était. Donc, par exemple, il y a en Israël pour les mettre du côté palestinien pour l'Israël. C'est un échange, justement, de visage et de rapport à l'humanité. Et du coup, le truc, c'est qu'il n'y a pas sa bobine. Alors, après, il a fait un gros truc aussi qui est lié aux yeux. Donc, les œils. Qui sont du coup le regard, de maintenir le regard. Donc là, par exemple, ça, c'est une des premières, une des plus connues aussi. Il l'a fait aussi à côté du Pont Neuf, mais c'est surtout, il l'a fait du coup dans les favelas du Brésil. J'ai envie de dire, proof needed, citation needed, hein, parce que là, c'est vraiment du foutage de gueule, là, par contre. Je suis désolé, mais là, on a fait déjà. Ça, c'est bon. Ok. Ça, on l'a fait, c'est la fin. On va revenir au menu. Je crois qu'on a à peu près tout. On n'a pas fait ça. C'est quoi? Il y a une branche en plus là. Ça veut dire qu'il faut avoir un 3 points pour passer ici? Mais non, mais c'est bon, ça, on l'a fait ça avec Mystique. Donc, du coup, après, ils ont expliqué l'histoire de New York. Sur New York, on a bien avancé, mais peut-être que la dernière fois on va s'arrêter là. Mais du coup, je vais faire un topo vite teuf et je vais enlever Google Chrome parce que c'est pas voilà. On regarde vite fait. Bon, du coup, sur New York, je disais que ce qui était bien, c'est qu'on faisait Tortue Ninja ici et ça, c'est cool. Donc, on va faire le graffiti, on va refaire le graffiti ici. Aïe 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 aïe, je suis fatigué, ça m'énerve. Donc là, je l'ai fait en speedrun un peu, mais vous avez compris que. On peut le faire plus calmement. En fait, du coup, j'ai cherché l'historique pour pouvoir l'expliquer. Moi, je suis pas d'accord avec certaines manières d'écrire. Le street art, c'est un terme qui est arrivé depuis les années après 2010. Donc, du coup, pour moi, c'est une autre manière d'appeler ce qu'on appelle le graffiti, qui n'est pas grave si c'est juste des inscriptions. Regardez, là, c'est juste des inscriptions. La naissance du graffiti. Donc là, tout d'un coup, on n'a plus ça du street art. Donc, je vous lis. Qui dit naissance, dit gestation, celui du writing, donc le fait d'écrire, donc être écrivain, writers, écrire, là c'est l'acte d'écrire, a d'abord un terreau, Philadelphie et New York, donc Philadelphie en premier, New York ensuite. À la fin des années 60, le Bronx s'apparente à une vaste champ de ruines, dents creuses et incendies d'immeubles finissent de ternir l'image d'un quartier déshérité. De ce creuset jaillissent des créatifs aux joues pleines, des personnes jeunes. Joue pleine, ça veut dire des personnes jeunes. Taki 183, Julio 204, Barbara, Eva 62 ou encore Kay 161, et donc trace leur surnom en marqueur, parfois suivi du numéro de leur route. Alors, parfois, quand tu dis parfois suivi, il n'y a que Barbara qui n'est pas suivie, par exemple. Numéro de leur rue. Il ne s'agit pas de baliser son territoire à la manière des gangs. Bah, si, justement, à Philadelphie, c'est tellement ça, en fait. Et après, c'est arrivé. Enfin, ça vient de. Enfin, bref, ça vient des systèmes de gang aussi. Mais bref, je suis pas d'accord. Mais au contraire, de s'évader d'une enclave et d'abolir les différences raciales. Ça, c'est rajouté. Ça, on est d'accord. Ça, il y a un truc en plus. Parce qu'en fait, il y a un truc en plus. C'est aussi une manière d'exister. Un cri d'existence. Ça, je suis d'accord.
Mais par contre, c'est pas que ça. Et c'est pas non plus que ce n'est plus des systèmes de gang. Bah, un peu quand même aussi. Les systèmes de parce qu'en fait le truc c'est que le graffiti ça il y a une volonté d'être illisible aussi par... donc c'est aussi un système communautaire. Donc après le bref. Il y a une sociologie à faire dessus. Tracer sa route, sillonner les lignes du métro et surtout prendre son pied, le graffiti est un jeu d'enfant qui deviendra une école du style et de la fame. Alors de la fame, oui bien sûr, mais j'aurais pas écrit ça comme ça. Ok. Eh bien on revient ici. Moi ce que je pense qu'on va faire vraiment le topo parce que ça m'énerve la manière dont il écrit. On va faire vraiment un petit hors-série spécial graffiti, on va regarder un peu ce qu'on peut en dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi je peux vous le dire. En tout cas, je peux vous en parler. Donc on en fera un petit topo. Donc là, on a évité de graffer Joe 136, qui est aussi un des anciens. De ce que de mémoire. Après, on regardera, hein, parce que j'ai des livres pour ça. Je vous ai montré Restive de la Bretonne, mais j'en ai d'autres, en fait. Là, par exemple, je l'ai pas fini, mais il y avait des trucs intéressants aussi dans un art contextuel, parce que c'est aussi très très contextuel. C'est à quel endroit, où on vise, qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant, etc. Donc ouais, y a un truc avec le contexte aussi. Et le contexte, du coup, comme je disais, social. Et en fait, le truc, c'est que ça, par exemple, moi je suis désolé, tu peux pas séparer les choses. Il y a des choses qui sont ensemble, et aussi le fait que, par exemple, le système de gang existe, par exemple, en général, c'est parce qu'il y a un problème social. On peut pas enlever le fait que des gens qui font de l'argent et de la drogue, ou tout simplement qui... tout simplement... ou qui braquent des gens pour avoir de la thune, tu peux pas enlever le côté social du truc, quoi. Je suis désolé. Y a une raison pour que les gens se retrouvent démunis à des moments donnés, spécifiques, organisés aussi par moment, parce que ça fait des années que le système de gang existe, et on peut pas dire que c'est un rapport communautaire, et le signifier uniquement par un critère racial, parce que c'est clairement ce qu'ils ont fait, hein, plus ou moins. Moi, je suis pas, voilà, je suis pas à fond dessus, parce qu'il y a des, il y a clairement, faut prendre de la sociologie, faut prendre des rapports historiques, comme pourquoi, à quel moment, d'où ça vient, etc. Il y a tellement de choses à écrire dessus, je ne comprends pas quand on se retrouve avec des écrits aussi simplifiés, quoi. Et je comprends que c'est un jeu, hein, mais en fait c'est ça qui m'énerve, c'est que ça cumule des choses. Donc faut le décumuler. Et c'est pour ça qu'on va jouer, juste après, à Going Under, qui va être aussi un truc qui est justement basé sur une sorte de rapport de déconstruction, justement d'image, cette fois-ci. D'image et social aussi, parce qu'il y a un gros rapport poétique dans ce jeu-là. Je crois qu'on a été parti par là, et qu'on avait essayé de viser. Voilà, va là-bas. On revient ici. On va aller chercher la troisième, l'étoile, parce que je suis pas sûr qu'on l'ait pris celle-ci. Là, je crois on l'a bien géré. Non, c'est bon, là, on l'a pas géré du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout. J'aurais pas dû passer par là non plus. C'est là. Faudrait que je me mette ici pour pouvoir l'appeler. Dane. Voilà. Alors j'essaie de le refaire, je sais pas pourquoi, mais on le fait, hein, c'est pas grave, on rattrape une heure. Tous ces graffitis, hein, magnifiques. Ouais, il était plus proche la dernière fois, mais là c'est bien, on va bien gérer. En fait, j'essaie juste de vous remontrer les trucs, mais je crois qu'ils ont disparu. C'est un peu dommage. Donc là, c'est là où on s'était arrêté, plus ou moins. Ok. Du coup, on va s'arrêter là. Je vais regarder si j'ai de l'eau encore. Non, je vais aller chercher de l'eau. On va faire une petite pause, du coup. Vous voulez que je vous laisse la musique? Parce qu'elle est bien, quand même. Je pense qu'on va faire ça. Je vais cacher juste la caméra qui m'a aussi posé problème tout à l'heure. Je crois qu'OBS m'a fait chier pendant tout le truc, du coup. Et on va switcher après. Ça marche? Je vous laisse la musique parce que c'est cool. Je vous fais des bisous. J'espère que bon là on a fait un peu en rapidité. Je sais que ce sera que pour YouTube du coup, que la version son du coup
Et voilà, j'espère que vous appréciez quand même le contenu un petit peu. On en parlera un peu plus de toute façon du graffiti, hein. Vous inquiétez pas, au fur et à mesure on va continuer d'en parler. C'est un grand sujet pour moi, donc on va en parler. Voilà, à plus!